Alors, Stéphane, en extra, petit oui. cachotier, oui. tu m'as caché cette photo de. Attends, de. Quelle photo? Karine Vanasse. Oui, incroyable. Hein? C'est une photo très sensuelle. En fait, le projet est né de cette photo. Karl est venu me voir et dit: j'ai fait des photos avec Karine, j'en suis très heureux. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai pas pu résister naturellement, j'ai dit, il faut faire quelque chose avec ça. Mais il dit, je vais aller plus loin. Et c'est là l'idée d'avoir ajouté les autres acteurs. Mais Karine, je dois dire que c'est une photo exceptionnelle. Attends, en regardant la Bible, je découvre ouais. Neil Snyder. Ouais. On a aussi deux photos. Ouais. Il y a Laurence qu'on a vu. Ben oui. Il y a bien sûr Magali Lépine-Blondeau. Ben oui, qui elle aussi va jouer dans le prochain film de Xavier Dolan. Jacob Tierney. De Trotsky, qui est un acteur aussi et qui a fait The Good Neighbors, qui est à l'affiche il n'y a pas longtemps. Voilà. Les fameuses photos de Marc-André. Ça, je les reconnais. Ouais. Nico. Mais il y a François Arnault qui va faire la couverture du magazine. Oui, exactement. On a décidé de faire deux éditions. Les gens qui aiment mieux Rachel vont prendre Rachel en couverture et ceux qui aiment mieux François. François, il apparaît deux fois. Il y a cette magnifique photo et il y en a une autre. Et voilà, en couverture. Noir et blanc, c'est intéressant. C'est totalement différent de celle de Rachel, mais ça a beaucoup de charme. Et ben, le Canada anglais aime beaucoup François parce qu'avec la série de Borgias avec Jeremy Irons, ça a énormément de succès. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a décidé d'en faire une deuxième version aussi. Et Xavier Dolan dans tout ça? Xavier Dolan, ce qui est bien, c'est qu'il a fait deux choses. On l'a photographié, superbe entrevue avec lui. Et en plus, il a fait notre carte blanche. Parce que dans chaque numéro, on a 6 pages qu'on donne à un créateur. Et il peut s'amuser à faire ce qu'il veut. Mais je vais vous montrer les photos de Xavier. Quand je parlais de photos qui allaient devenir un classique, définitivement, celle-là va être une photo qui va rester, selon moi, dans le plan. Ah! Voilà. On va arriver, Niels et François Arnault. Niels Snyder, François Arnault. Carl Lessard, je bravo. Suis presque ému. Ouais, hein? Tu découvres en même temps que oui, c'est vraiment super de les voir en grand format comme ça. Ça donne une force et une présence à l'image. Et tout ça va être exposé au W. Exactement. Et jusqu'à quand? En fait, jusqu'à la mi-décembre. Donc, c'est bien parce que le grand public peut y aller. Il n'y a aucun problème. Vous présentez à l'hôtel W, Square Victoria, et vous rentrez simplement. Vous allez à la mezzanine et il y a toute cette série de photos qui va être exposée. Et je veux dire que l'impact est vraiment... Ah ben d'ici aussi déjà, fort, sinon, c'est très impressionnant. Mais bravo et longue vie à Kill Magazine. Merci beaucoup. Tu peux voir la Bible? Oui. Je peux-tu repartir avec ça? Non, c'est ta Bible. Voilà, bien. Bye. Au revoir.